Alors cet appareil a révolutionné notre quotidien. Pourquoi? Parce que un des paramètres qualitatifs très importants aujourd'hui, c'est le taux de grain cassé. Et comment déterminer un taux de grain cassé rapidement sur un camion, sachant qu'une méthode officielle prend à peu près 20-25 minutes. Cet appareil a révolutionné notre tri, car en 3-4 minutes, vous avez un taux de grain cassé qui est aussi cohérent et fiable qu'une analyse officielle. Et dès la réception de la valeur au bout de 3-4 minutes, nous pouvons trier notre camion, le segmenter et le mettre dans une cellule bien spécifique qui nous permettra de charger un navire de qualité et répondant au cahier des charges du client. Il a énormément changé notre quotidien, il a influencé surtout la qualité de notre travail à l'export, dans le sens où chaque camion est alloté d'une manière bien spécifique en fonction de paramètres que l'on définit en amont, qui peuvent être l'humidité, le PS, la protéine, mais aussi le taux de grain cassé. Et ce paramètre est hyper important pour nous, surtout sur des marchés bien spécifiques comme l'Algérie. Et donc, pour cela, nous avons mis en place cet appareil à la réception. Chaque camion qui arrive sur le site est contrôlé, passe par l'IFOS et chaque camion a son taux de grain cassé. Pourquoi? Parce que c'est une analyse qui est de plus en plus importante, excusez-moi, sur le marché à l'export, surtout quand vous travaillez sur le marché algérien où le paramètre c'est 4% max. Donc c'est un paramètre qui nous permet dès l'entrée de segmenter la marchandise, dès la réception et de pouvoir faire un tri sélectif dès le camion. Il ne s'agit pas de faire une analyse a posteriori le lendemain sur un lot, mais là, chaque camion est trié et envoyé vers une cellule bien spécifique, ce qui nous permettra après de pouvoir charger en toute sécurité un bateau et s'assurer de la qualité propre au chargement, en particulier sur les bateaux algériens qui sont des bateaux plus spécifiques en termes de qualité.